Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second épisode sur Dying Light 2. Alors, petite anecdote, en soi des notifications. Petite anecdote, c'est que j'avais déjà recommencé cet épisode-là et puis je me suis rendu compte que mon micro était éteint. C'était une bonne blague. Donc, pour vous dire, on fait un petit peu une mise à jour en ce début d'épisode. Le multijoueur avec FLB va devoir attendre un petit peu, puisqu'il faut terminer le prologue. Voilà, on a fait quelques petites recherches sur internet. Il se trouve que faut faire à peu près 1h50. Donc, cimer les poteaux. Il y a un truc qui est cool, au moins, c'est que quand tu fais déjà à peu près 2 heures tout seul, t'as les bonnes bases, tu te reposes pas toujours sur ton équipe. Bon, là, on sera que deux, mais vous voyez ce que je veux dire. On sait quand même que FLB va se reposer sur mes qualités de joueur invétérés. Mais bon, qui ne le savait pas. Ok. Alors, tout ce que je suis en train de faire là, je l'avais déjà fait, en fait. Voilà, on va faire simple, on va être honnête. Puisque je m'étais un petit peu baladé, voilà, sur l'autoroute et tout ça. Et il se trouve que, en fait, c'est la suite de l'histoire. Donc, my bad. Si je donne l'impression de connaître la suite du jeu, c'est le cas. Mais, pour vous dire, je connais jusqu'à un certain moment avec une radio. Après, je connais plus. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ok, c'est parti, tout de suite. Alors, je sais que normalement, on n'est pas censé faire ça. On est plutôt censé esquiver pour pas les réveiller. Mais en fait, comment vous dire, si vous voulez gagner des points, pas trop de choix. Get ça. Coup de panard. Into the coup de pied of the fire. Le kick fire, on l'appelle. Ok, je fouille. Vide ? Comment ça, vide ? Eh mais je vous dis, depuis la première fois qu'on a fait le jeu là, c'est-à-dire il y a 2 jours, ils ont fait une mise à jour très bizarre. Ce qui fait que là déjà il n'y a plus de loot. Et il y a des endroits où j'avais trouvé des trucs au tout début que là je ne retrouve plus. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Et le B me disait là, parce qu'on parlait juste avant, que lui il avait les objets à ramasser parce qu'il avait pas fait la mise à jour. Donc lui il a le jeu en anglais là pour l'instant. Mais au moins il a des objets à ramasser. Je sais que si j'avais trouvé des pièces d'or et tout. Ok, on reprend un petit peu d'élan. Comment ils ont appelé ça? D'endurance. Mais il se tient lui. C'est Assassin's Creed. Vous savez comment c'est drôle des fois quand les parents ils font en mode et t'aimes bien le personnage Assassin's Creed et tout? T'aimes bien t'es déguisé en Dragon Ball Z? C'est rigolo. Enfin bref. Ah si, voilà, il y a quelques petits objets. Il n'y a plus de pièces d'or par contre. Je sais pas si c'était volontaire la dernière fois. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que la première partie qu'on a fait ensemble, je l'ai gardée et puis j'en ai créé une nouvelle. Peut-être que ça joue, il y a un petit peu d'aléatoire, je sais pas. Par contre, on a remarqué ça aussi, c'est que j'ai plus de plantes de poche. Donc un petit peu galère. Là c'est assez sombre. Non, bon, ça va pas faire. Ça peut paraître impressionnant, hein, mais vu que c'est des petits niveaux, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ouais, il faut juste reprendre un petit peu d'endurance. Dès qu'ils deviennent un petit peu trop vindicatifs, les manifestants, coup de batte. Ça, c'est les mecs de la ZAD. Hein. Attention, on les reconnaît avec leur poncho. Mais pourquoi vide? Mais c'est nul! J'avais des pièces d'or, je vous jure! J'ai pas les preuves, mais je vous le dis. Fiez-moi à vous. Fiez-vous à moi. Ah voilà! 4 pièces d'or. À moins que ce soit des petits gâteaux apéritifs. Oh non, ils auraient pas fait ça quand même. Voilà. Normalement, on a tout fouillé. Tout fout le camp, pas du tout. C'est quand même très suspect.
vous êtes quoi? Ah, il y avait un truc. Yes! Eh ben tu vois, ça je savais pas. Truc un petit peu dommage, c'est que pour mettre un kick, il faut appuyer maintenant sur deux touches. A l'époque, dans le premier, il fallait juste appuyer sur R3, je crois. Et ça donnait un coup de pied. Bon, c'est plus le cas. Alors. Ici. Tu te calmes. Bon. Je crois qu'il y en avait un autre par là. Ah oui, dans le bus. In the bus. In the Ghostbuster. Vous connaissez le bus chasseur de fantômes? C'est bus DX. Allez, on continue. Donc ici, en fait, il y a une bouteille de propane, mais on va pas la prendre, c'est juste pour nous apprendre. Voilà, vous pouvez l'attraper, la déclencher, puis la lancer pour faire des trucs de ouf. Boah. Alors, voilà. Exactement ce que je voulais pas faire. J'ai l'impression qu'ils ont patché un petit peu le jeu. Puisque moi j'ai essayé de trouver des glitches et j'ai trouvé qu'en fait on pouvait multiplier les sauts sur les murs ou les roches pour aller plus haut. Je sais pas s'ils l'ont patché ou s'ils vont le faire dans les jours qui viennent. Moi je trouvais ça pas mal qu'ils l'aient laissé, ça faisait un petit peu de... un petit peu d'exploration plus facile en fait. La camomille, du miel, on va essayer de faire un max de kicks de soins comme dans le premier jeu. Surtout si on doit se soigner mutuellement, je pense qu'il va falloir que... Il va falloir... Oh là là, avoir de la ressource. Bon, là les sauts, merci. J'ai un saut trouvé. Normalement, on n'est pas très très loin de l'endroit où je m'étais arrêté. Hors cam, j'allais dire. Parce qu'il n'y a pas la caméra. Toujours un petit peu ramasser les ressources. Alors comme je disais dans le premier épisode, ce qui est un peu ce qui fait bizarre en fait, c'est d'être beaucoup moins agile, mais en même temps c'est logique, c'est un nouveau personnage et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec Crane, en fait, plus tu avances dans l'histoire, plus tu deviens un petit peu un petit kangourou là. Et donc de revenir avec un mec un peu raidos, ça change tout. Un chemin, ça change une vie. Ici, non, c'est pas ici. Il y a un endroit, vous allez voir. Il faut passer par des chemins de traverse. Hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui est mal fait dans l'inventaire, mais j'ai l'impression que j'ai pas de lampe en fait. J'ai des chaussures. Chaussures du dimanche. Excellent ça. Objet. Quoi? De valeur rare. Bah, c'est pas rare des chaussures du dimanche. Chaussures du samedi, à la limite, oui. Alors celle du dimanche, là, tout le monde en a. Hein. Let's go. Il est mort. C'est pas grave, il était déjà un peu mort et un peu vivant. Alors. Où est-ce que je vais? C'est pas là? Si, c'est là. Bah alors. Faites dire n'importe quoi. Ah, il tombe plus? Si. Oh, il tombe en 2 FPS. C'est assez terrible. Hop. Bien joué. Alors, nouveau point de compétence. Vous avez amélioré la maîtrise du parcours. Le saut vertical. D'accord. Ce qui permet de faire un saut vertical. J'y suis presque. C'est un peu comme quand on était petit, genre... On s'appuyait à fond sur les jambes en croyant qu'on allait sauter vraiment comme des zinzins. Bon, c'était pas trop le cas. Après, il y a des mecs qui ont découvert leur super pouvoir comme ça. Là-dessus, il n'y a pas de fin. Ah, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut rusher. Et ça donne l'impression que le jeu est super fluide. La station de diffusion devrait être quelque part par là. Parce que croyez-moi que quand je me mets à fouiller tout, ça change du tout au tout, les mecs. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire? Ouais, pas mal. Quelque chose par là?
très étrange, des fois on peut plus échanger. Gangrène. Je vous échange ma gangrène contre le typhus. Ça vous va? Pas du tout. Oh, loin de là, messire. Tiens, tiens. Ok, essayons. Ah oui, j'ai fait ça aussi, pour que ce soit un peu moins bruyant à la manette. Les séquences où il faut marteler, d'habitude, c'est, je sais pas, ils adorent faire ça chez Sony. Et ben j'ai fait en sorte qu'on puisse juste maintenir. J'avais déjà fait ça sur Last of Us. La station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Ok. On verra quand on sera en épisode en vocal avec FLB, si lui a pas de problème de lampe. Parce que moi j'en ai. Je trouve ça très étrange en fait. Je sais pas si j'ai une... J'allais dire une console. Oui, bien sûr. Un jeu qui est buggé. Mais là sur deux parties différentes, j'ai le même truc. Allez mon pote. Dites-moi en commentaire aussi si vous préférez la voix française ou anglophone. C'est quoi ce bordel? Base du combat. Les ennemis puissants. Les esquives. Hop. Là normalement j'ai une arme un petit peu tranchante. Donc ça devrait aller. Par rapport à la bite de baseball. Il est où l'autre? Attends, il m'a esquivé. Ah non, il est là. Viens là. Il va où? Eh hey, oh. Bon, c'est déjà moins embêtant si c'est les ennemis qui fuient par rapport à ceux du premier jeu là qui est aggro depuis 1 km et surtout qui monte sur les immeubles. C'était moi. On se met un petit peu de life. Ok. Ah oui, c'est pour regarder derrière soi ça. Bah super. On peut pas réparer. On va rester avec la batte, je pense. Parce qu'en fait, j'avais oublié que. À l'instar de Breath of the Wild, les armes se brisent. Et parfois, c'est pas bon signe. C'est ça qui était un petit peu dommage dans le premier jeu. Mais bon, ça fait partie du délire. Quand t'avais des fois des armes super puissantes, t'étais en mode, oh là là, elles vont bientôt se briser. Et après, t'étais obligé d'utiliser du scotch et tout pour les réparer. Mais c'est la mécanique. Que voulez-vous? On accepte. Ok, il y a un truc à droite aussi. Ah, marrant ça. Je me rappelais plus. Est-ce qu'il y a un moteur? Alors attendez, j'ai créé un truc qui fait. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Alors, ouais, c'est bon. J'ai une assez bonne mémoire en 2 jours. Ce qui est plutôt positif. Ouais, en fait, ce qu'ils ont changé, j'avais dit dans le premier épisode que quand on ouvrait une armoire, avant ça nous mettait directement sur l'objet. Là, en fait, c'est pas que t'es direct dessus. C'est plutôt qu'en fait tu peux les attraper sans tourner la tête partout. J'ai l'impression qu'ils ont réduit un petit peu, on va dire, l'angle mort du ramassage. Ok. Zone sécurisée. Ouais, comme dans le premier. Jusqu'ici on n'est pas trop dépaysé.
Et c'est là qu'on va pouvoir changer de tenue. Si je ne m'amuse. Gangrène. Batte dégoulinante. Ok. Utiliser. Bah oui. Les mecs, ils ont vraiment... vous êtes sûr que vous voulez utiliser? Genre le cadeau? Ok. Bizarre, hein. C'est quoi ça, 1h30? Je peux utiliser que pendant 1h30? Qu'est-ce que c'est que ce bidule? S'équiper. Parapente. Prends ton envol. Un skin. Ok, bah, je sais pas trop. Grappin, tenue. Ah ok ok. Mais ça alors? Ça fait rien. Je les ai déjà peut-être dans l'inventaire. Bien vu. Ça, on le déplace. Ça aussi. Oh, dis donc. C'est beau ça. Le max. Attends, je me demande si je suis pas en train de tout mettre dans la planque. Et ouais. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Gants. Pff, on s'en fout des gants, non? Bonus, non, c'est pas ça. Attends, attends. Comment on fait? Accessoires, inventaire. Attendez, mais je pensais qu'on pouvait changer de tenue là. C'est quoi ce truc? Il faut dormir avant? Ah, peut-être. Peut-être bien. Psst. Hayden. Hayden, bébé Hayden. On court ou quoi? Mais genre maintenant? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Heidi. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Chut. Tout va bien se passer. Attends ici. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346? On était censé ramener les patients en vie. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Doucement. Tu vois, Peter? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Docteur Waltz, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. En feu!
Y a le feu dans le labo. Souvenir, le pote, hein. Donc vous aurez compris pourquoi on cherche Waltz. Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. C'est parti. 140.200 MHz. C'est Hayden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Hayden ? Oui, je devais vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Waltz, pèlerin ? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Hayden. Tu veux savoir pourquoi Waltz faisait ses expériences sur vous tous ? Pourquoi tu es plus fort ? Plus endurant que les autres. Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où et quand? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. Imagine que tu fais pas ça gratuitement. Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Ah, mais donc il l'a joué. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Hayden. Dans le jeu vidéo, on est quand même très traumatisé par les Hayden. Avec Hayden Pierce là. Ah, les souvenirs remontent quand même. Le bon vieux Watch Dogs. Let's go, la tyrolienne. Oh merde, il y avait des trucs à ramasser. Il y avait du miel et tout. C'est vrai. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà exactement où je m'étais arrêté. En mode solo. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de là, ça va être beaucoup moins fluide. Je vais chercher un petit peu les trucs qu'on peut ramasser potentiellement. Toujours de la camomille. Bonjour madame. C'est par là. Ah non, ça va. Pas trop besoin de chercher. Pour atterrir, minceur, pour donner des dégâts. Ah, ok, il y a toujours ce truc là. Très bien. Grosse poubelle. Par contre, je sais pas si au bout d'une quinzaine d'années, les poubelles sont toujours aussi amortissantes. Peut-être qu'elles ont dû se vider quand même. Ok, je fais n'importe quoi. Ah, on peut pas remonter. Ah, si, ça fait des points. Non, c'est bien en fait. Un monde de découverte. Mais c'est sûrement pas par là. En vrai, dans la flotte, ça peut le faire là, non? Tu peux voir un peu? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Hein. Peut-être par là. Non plus? Comment on fait? Mais comment on fait, les mecs? Il y a forcément un endroit. Moi, si, là, c'est bon. Ah oui, oh. Ne prenez pour un event end. Alors, est-ce qu'on peut fouiller dans l'eau? Oui.
contre, j'ai pas respiration infinie. Ah, limite. Let's go. Tiens, tiens. Un port de plaisance. Oh, oh, oh. Salut. Allô? C'est Aiden, tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Oui, ça change tout. La seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Mais alors, j'ai l'impression que les zombies font un petit peu moins peur que dans le premier. Ils ont plus... Oh, c'est son bras. Un visage un peu Walking Dead. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À la Walking Dead, quoi. Ils font moins peur. On peut pas rentrer là-dedans? Si. Quoi? Mais ils vont pas nous mettre des bâtiments où juste on peut pas rentrer. C'est quand même barbare. Oh, y'a un gros là. Il grand lui, hein. C'est une dinguerie, le mec. Vous êtes beaucoup là. Je rigole. Et c'est quoi les autres armes qu'on a? Oh, ça a l'air marrant ça. En fait, moi je vais aller plutôt au combat plutôt que de les esquiver. Parce que je trouve que ça donne des points de combat. Logique. Et ben on va pas mal progresser. Parce que je crois que je me souviendrai pas qu'il faille escalader partout. Je vais le faire, hein, mais. Je vais pas être en mode. Waouh! Ok. C'est super. Bon, j'imagine que de toute façon, s'il y avait eu une pandémie comme ça, on n'avait pas tous $1 million dans les poches. Il y en avait sûrement, hein, mais... Tiens, va voir par là, vite fait. Merci. Alors, qu'est-ce que je faisais? Oh! Marrant, ce petit panard. Ok. Oh! Bah dis donc. Alors, ce qui est difficile du coup pour se rendre compte, c'est qu'avant on avait une barre tout en haut. On voyait notre progression, que ce soit en escalade ou en combat. Mais là il y a juste des petits plus sur le côté. Ce qui fait que je me rends pas trop compte si je progresse bien ou non. C'est français ça? Oh, pardon, je vous avais pas vu. Vous savez que là, ce qu'on est en train de faire, je sais que FLB il serait déjà en train de flipper. Je connais. Hein. Hop, petite esquive. Et ben voilà, on a presque nettoyé le monde entier des zombies. Pas du tout. Y'a rien à fouiller quand même. C'est assez triste. Ok. Oh! C'est pas un youtubeur lui? Je sais pas. Ça se trouve, c'est juste un développeur. Ça se fouille pas ça. Attends, mais est-ce qu'il y a des trucs en dessous? J'ai pas l'impression.
camomille. Encore. Ah ouais, mais je sais pas si on pourra revenir là plus tard. Genre une fois passé le prologue. J'en ai aucune idée. Du coup, est-ce que je fouille un maximum, sachant que je ne reviendrai pas? Ou pas? C'est rigolo. Je me pose aussi une autre question. Est-ce qu'on gagne plus de points en mettant des coups de tatane ou bien des coups d'épée, enfin des coups d'armes typiquement. Hey. Est-ce qu'on serait pas proche de la ville? Ville d'or. Dumbledore. Attends, lui on va le faire. Lui on va le faire. Shagat. Let's go. Est-ce que... Non. Ah putain, j'ai trop de questions en fait. Non, c'est un nouveau jeu. Je pense qu'on le débloquera après, le fait de pouvoir les éliminer silencieusement et de pouvoir ramasser le loot d'un coup. Tiens. Oh, je suis dans le cul de quoi là? C'est un dinosaure? Cul d'un cheval. Ah, on va éviter. Si tu veux mon avis, faut passer par là. Oh, le changement de lumière. On n'a rien vu, hein. Abîmer mon arme quand même. D'ailleurs, est-ce que celle que j'ai dans la main se brise? Résistance 60, 40. Ah ouais! Ah, du coup, j'aurais peut-être dû garder ma batte. Ah, je sais pas trop du coup. Ça a pas l'air d'être si facile de trouver des nouvelles armes. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hop, hop, ça peut chier. Oh, oh, il a vomi. Du jus de crabe. Tu tombes pas, merci. Bien urbain celui-là. Très sympa les zombies en fait. Hein. On avait des préjugés mais en fait très gentil. Un petit peu câlin. Un peu trop même. Il est tombé où? Oh, ça pouille, Armessire, il y a des mouches partout. Oh, bah dis donc. Eh, bah ouais, ouais. Je connais ça, c'est une scolieuse. Ça se répare facilement. Hein. Petit brisage de nuque. Puis c'est reparti. On se croirait un peu dans la cité de Marseille. Pignon. Ça, c'est ma fusée. Alors là, tu nous as fait des chips. Ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de coca? Toi, tu t'es servi un vin blanc. Et nous, on n'a pas de coca. On peut aller là? Oui. Ouf. Ah, il faut peut-être pas faire le cake. Hein. On peut monter? Non. Comment on va là-haut? Parce que j'imagine que c'est notre destination.
Ça, je trouve ça malin, le fait qu'ils aient fait en sorte qu'on doive ramasser du miel comme ressource. Dans le sens où... En fait, ils vont mettre des abeilles, du coup on va les entendre et on saura qu'il y a du loup pas loin. Je trouve ça hyper malin. En termes de, ouais, en termes de gameplay pur, c'est vrai qu'au niveau des sensas, sauter à la corde. Oh là là, pas bête hein. Ça c'est du beau level design. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on peut pas faire les glissades. Bon malheureusement, j'espère qu'on aura. Hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. On aura une lampe de poche bientôt. Parce que là, ça devient coton. Ça devient coton. Bon, de toute façon, je pense que il ne reste pas trop longtemps du prologue. J'espère en tout cas. Parce que je vous avoue que là, on est dans une situation assez étrange. De faire une heure tout seul pour pouvoir ensuite jouer avec ses potes. Les amis, moi je sais pas. Je voulais vérifier un truc aussi. Dans les commandes, est-ce qu'on n'a pas de quoi allumer une lampe torche? Allumer, éteindre la torche. C'est la flèche du bas. Mais alors moi j'ai rien. Est-ce qu'il faut l'attribuer? Peut-être que oui. Hein. FLB qui vient de me dire je suis allé acheter une clé 4G. Eh, parce qu'il a des problèmes de connexion en ce moment, donc pas facile. Vous voyez, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit pour m'éclairer. Peut-être qu'on l'a par la suite. Mais je trouve ça très très sombre. Hein. Trophée infecté. Preuve de victoire contre un infecté inhabituel. Ah ouais. Mais dans le contexte, dans le jeu, comment ça se représente? Modifié. Emplacement du manche, emplacement de la pointe. Porte-bonheur, ok. Du porte-bone. Le boner. Ça, c'est vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi... Pourquoi j'ai pas de lampe de poche, en fait. Tu vois, outils, j'ai rien. Donc j'ai augmenté un petit peu les gammas, mais... Y a quelqu'un. Enfin, la gamma. J'ai l'impression qu'on peut rien y faire. Parce que du coup, là, j'aimerais bien voir mieux pour fouiller, etc. Oh, merde. Ça a pas l'air bon. À mon avis, la ville... C'est pas qu'est-ce qu'on croyait. Hein. Ah ouais. Dégueu. Oh, mon Dieu. Bien. Ce fumier m'a mordu. Un rapace. Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. Faut vite à la lumière. Ah, plus tard. Faut qu'on vienne. Résiste. Ça va passer. Reste fort. On est mort. Il l'a pas sur lui. Allons-y! Yes! Une lampe de poche. Je n'ai pas la clé, je le jure!
C'est quand même tarpin bizarre que dans le premier épisode j'avais la torche et là je l'avais plus quoi. C'est étrange non? Enfin, y a que moi qui ai ça ou pas? Pour effectuer une attaque rapide. C'est discret ça. Attends, je veux changer d'arme. On va utiliser celle-ci. Attends. Non, celle-ci est déjà bien entamée, on va rester avec ça. Ok. Il est où le man? On arrive mon pote. Ok. C'est pas par là? C'est par là? Non plus. Ah mais on s'en va carrément? Genre on l'attend pas? Quand même. Pas sympa. Cigarette. Des chaussures. Je vous avais dit que c'était pas rare les chaussures du dimanche. Ok, c'est tout. Y'a pas d'autre casier? Dans l'endroit. Ça va pas. Là non plus. Mais en fait, j'ai envie d'ouvrir partout. J'avais pas vu, excusez. De retour sur Batman Arkham City. C'est moi, le patron. C'est pas aussi fluide que dans Arkham. Hein. Oh, vous en avez des choses. C'est bientôt à moi ces choses. Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Ratai. J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y. Allez-y. C'est qui? Allez-y. Parade parfaite. Ok, un ennemi bloqué au dernier moment pour une parade parfaite. Parade parfaite désoriente l'ennemi. On va essayer. Vous savez que j'ai aucun rythme dans la peau. Voilà un bon exemple. Ah c'est chaud. Il a beaucoup de PV le mec. Bah rien, c'est lui en fait. Ah il y en a deux là, ça va être complexe hein. Oh, si on peut mettre que un coup par un coup. Ah trop bien. Ça les déséquipe. Un peu rigolo comment ils sont tombés. Ah. Compétences de combat. D'accord. Coup de pied avec voltige. Oh. Oh attends. Courez vers un ennemi, désorientez-le avec protection. Maintenez Stazir. Comment on fait? Eh, j'espère qu'en faisant des coups dans le vide, je perds pas de la santé et de l'arme. Il est où? C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ma bite. Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvé. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au Fishaille. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras tout.
compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Waltz? Est-ce que Waltz est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Cours! On ira ensemble. Prends ça. Allons-y. Oh! C'est quoi ce bordel? Voilà, ah, mais je vais marrer tout le monde là. Notre pied est carré, mais il n'est pas sage. Ouais, on peut réparer ça. Ouais, tue-le! Combat de parcours. Servez-vous de la voltige pour avoir des meilleures mobilités durant les combats. Pour voltiger au-dessus de lui. Pour des coups de pied en voltige. Ah, donc on peut faire ça. Attends, j'ai oublié comment on fait les coups de pied. Oh là. Attends, je me suis un peu chauffé là. Hop. J'ai réussi là ou pas? J'ai un doute. Hein. Okay. C'était ça en fait. Pardon. Pourquoi je dis pardon? Vas-y. En fait, ils mettent trop de temps à attaquer du coup. J'arrive pas, hein. Appuyez sur R2 en voltigeant. Ça marche pas. Je vous jure, j'y arrive pas. En fait, je comprends pas comment ça marche. Attendez, on va aller voir le tuto parce que ça se trouve, c'est écrit. S'accroupir, instinct de survie. Combat de parcours. Ok. Putain, c'est écrit tout petit, les mecs. Vous abusez là. Alors, pour voltiger au-dessus de lui, ça c'est ce que j'ai fait. Appuyer sur R2 en voltigeant pour réaliser un coup de pied en voltige et frapper un autre ennemi se trouvant face à vous. C'est la base du combat. Mais j'y arrive pas. Je suis désolé, mais. Alignez-vous là, oh! Bon, attends, on va faire ça déjà. Attends. Soigne. Ah oui, mais attends, je suis bloqué par quoi là? Il y avait rien du tout. J'ai pas peur de toi. Vous voyez, ça marche pas. J'arrive pas à sauter par dessus. Ils vont me lancer des trucs. Ah, pas bête. Ils sont intelligents. Bon, ça devient chiant. J'ai l'impression qu'il perd pas de vie en fait, tant que j'arrive pas à faire ce truc là. Mais c'est fou, non? J'y arrive pas. Mais les mecs, c'est pas clair en fait. Attendez, mais ça se trouve je fais mal le truc, ça c'est sûr. C'est fou en fait. Parade parfaite, ça c'est bon. Servez-vous de la voltige
pour avoir un ennemi mobilité durant les combats. Pour avoir une meilleure mobilité, foncez sur un obstacle ou sur un ennemi. Ah, il faut le désorienter avant. Ah, mais c'est dur. Oh la vache, mais c'est puissant en fait. Il y avait un truc là, j'ai pas vu. Pardon. Vas-y, on refait, on refait. Ah, c'est trop bien en fait. C'est bon, j'ai compris. Pas que j'en ai un derrière moi. Hop. Vas-y, reviens. Oh là là. C'est stylé, n'empêche hein. Vas-y, le dernier il va être embêtant. Il y en a d'autres. J'arrive plus. Ok, c'est dur, c'est dur. Ah ouais, mais ça one shot, c'est trop bien. Je fais ça dans le vide du coup. Pardon. Attends. Et bah voilà. Comment ça c'est Waltz? Attends, ils sont où les trucs à ramasser là? Oh, une petite tête. Ah, on peut choisir de le laisser peut-être. Barrons-nous vite d'ici. C'est Waltz, il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde, va au conduit d'évacuation. Vite, par ici. Vas-y en premier. Qu'est-ce que tu fais? Waltz peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir! Vijay, Lawan. Allez! De quoi il m'a traité là? D'œil de poisson? Tu vas voir. Salut, Dylan. Hé, les gars! Laisse-le partir. Ah, évidemment, on va pas voir son visage. Que tu m'as trahi. La clé ne t'appartient pas. Tu peux pas. Où est-ce que c'est? Ici. C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races, rares. Je les aimais tendrement. Un jour, son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui.
Puis, il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait... doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Il y a quelqu'un. Dans le conduit, chope-le. C'est pas d'autant plus facile de faire tomber un truc qui est pas derrière une porte. Je sais pas. Oh là. Et je prends des dégâts à cause de quoi là? Oh la vache! C'est pas beau hein. Ce qu'on vient de voir là, c'est moche les mecs. Je suis à 2 FPS, c'est quoi ce truc? Je vais essayer d'attendre ça. Et puis on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et on va essayer de se retrouver vite avec FLB. Salut !